Good morning, allez, Iden, les tu seras aujourd'hui, les Elohim Ishmat, Avraham Mordechai Ben Yitzhak Befani, ainsi que l'Irfouat Léa Bat Elisheva, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez sa communauté éternelle. Nous étudions Maserhet Ragiga, Perek Alef Mishnah Vav, Michel Ochag, Veyom Tov, Arishon Jel Chag, Rogeget Kol Aregel, Veyom Tov, Acharon Jel Chag. Avar Aregel Velo Chag, Eno Chayav Ba Acharayuto. על זה נאמר המעוות לא יוכל לתקון וחסרון, לא יוכל להימנות. On a, je reprécise de nouveau, c'est quoi Korban Chagiga, Shalmei Chagiga, et c'est quoi la Olat Reiya? Ok? Voilà, lorsque tu viens, trois fois par an, c'est les fêtes, trois fêtes, tu dois monter à Yerushalayim, pas monter des cours, à monter à Yerushalayim pour voir le Beit HaMikdash, voir Hachem, tu vas voir. C'est l'occasion de repartir, de refaire le plein de Yirat Shamaim, de voir les Kohanim dans la Voda, de se renforcer, de se réjouir avec Hachem. Et quand tu viens à Yerushalayim, ça t'impose de faire deux korbanot imposés. D'une part, tu rentres dans Lazare, t'apporte un cadeau à Hachem, Olat Reiya. À part ça aussi, tu dois aussi te réjouir, obligation de te réjouir avec ton argent personnel. Tu dois apporter un korban Shalmei Chagiga. A priori, ça, tu le fais le premier jour de fête. Que ce soit à Pessah, tu le fais le premier jour de fête. Que ce soit à Sukkot, le premier jour de fête. Et même à Shavuot, tu le fais pendant Shavuot. A posteriori, il y a la possibilité de faire ça pendant Chol HaMoed pour Pessah et Sukkot. Et à Shavuot, tu as même aussi des Yemet HaShlumim, des jours pour compléter ce que tu n'as pas pu faire pendant le premier jour. En l'occurrence, si même c'est tombé pendant Shabbat, tu auras aussi le même problème. On expliquera tout ça plus tard, ce sera amplement détaillé. Dans ce cas-là, tu as des jours de rattrapage. C'est ce que la Mishnah vient de me dire. Michel Ochag be Yom Tov, Arishon Shel Chag, celui qui n'a pas fêté, dans le sens qu'il n'a pas fait son Korban Chagiga, durant le premier jour de Chag, ce qu'on appelle Chag dans la Mishnah toujours, c'est Sukkot. Ok? Eh bien, Chogeg et Kol Aregel, il pourra se rattraper et fêter tout durant toute la fête. Tous les jours de fête, les six jours de Chol HaMoed qui vont suivre ensuite, mais Yom Tov Acharon Shel Chag, et même le dernier Yom Tov, même si Shmini Atzeret, concrètement, il est considéré comme un jour de fête indépendant pour plein de halachot. On ne mange plus dans la soukha, on ne prend plus le loulav, même les korbanot du Beit HaMikdash, en théorie Shmini Atzeret, c'est une autre fête. Malgré tout, par rapport à la capacité de la faculté de pouvoir rattraper le fait que tu n'étais pas là pour le premier jour de Yom Tov, ça tu t'acquittes. Ok? C'est ce que j'avais dit, Chogeget Kol Aregel, tu pourras fêter, faire ton korban durant toute la fête, et même mieux que ça encore, même Yom Tov Acharon Shel Chag, et même le dernier jour de Yom Tov qui va suivre en fait la fête, qui va être donc une Netzaret. Par contre, Avar Aregel Velo Chag, si toutefois la fête elle est passée, tu n'as pas pu venir à Yerushalayim et tu ne l'as pas fait, et No Chayav Bachar Yoto, tu ne seras plus responsable de rattraper ce jour de fête. Ce sera plus possible de rattraper ce jour de fête. L'expression, c'est une expression qui m'a toujours dérangé. J'avais cherché une fois. Enlotakana, c'est bien. Le Melech Shlomo, il pose la même question. La phrase de la Mishnah, il n'est pas clair. Il fallait dire, en fait, si tu as passé la fête, c'est fini. La Mishnah dit, t'es plus chayav de garantir. C'est une phrase un peu pas claire. Je vois que même le Mechashomo, il pose une raison. Ktsat kashe la niyud dati, denire shapir tfei, yavetana, enlo takana, shuv enlo tashlomim, tu ne pourras plus rattraper. C'est quoi cette histoire de enlo chayav bachayoto? C'est compliqué. En tout cas, c'est ce que ça veut dire. Tu n'as plus de devoir maintenant, tu avais la possibilité de rattraper jusqu'à 7 jours qui suivent, après c'est fini. Val zenema, c'est sur ça que le pasouk, il a dit, un pasouk dans Tevet qui nous dit, me'uvat lo yuchal litkon. Le chesron, le yuchal, l'eimanot. Quelque chose de tordu ne pourra plus être redressé. Et quelque chose qui est manquant ne pourra plus se faire comptabiliser et compter. En fait, c'est un pasouk dans Kohelet qui vient me dire que sache que dans certaines situations où tu as fait des dégâts et tu ne pourras plus te rattraper, c'est fini. Il y a des mitzvot que tu peux rattraper, des mitzvot qu'une fois que tu les as laissées passer, elles t'ont filé entre les doigts et tu ne pourras plus les rattraper. En l'occurrence ici, le chesron, le yuchal, l'eimanot. Quelque chose qui te manque, tu as manqué de partir faire la tefila aujourd'hui, ne crois pas que quand tu vas faire la tefila maintenant pendant toute la semaine, tu vas rien rattraper, tu vas là-bas, tu vas faire ta mitzvah parce que tu dois le faire, mais celle que tu as manqué, tu ne pourras plus la rattraper. Si tu étais, bref. D'accord, toute mitzvah que tu vas faire,
Si tu le qui va te passer entre les doigts, eh bien, si tu ne l'as pas accompli, tu l'auras perdu, tu ne pourras plus récupérer. En l'occurrence, ici, ton korban, Ragiga, on t'a laissé le premier jour, tu devais l'apporter, on t'a laissé 7 jours de rattrapage, tu ne l'as pas fait. Ben, malheureusement, c'est fini, tu ne pourras plus le rattraper. D'accord? Du coup, à cause de ce pasouk de Mevuvat Loyuchal Litkon, Manot, on découvrira dans la prochaine Mishnah différents avis qui vont parler de ce pasouk. Qu'est-ce que ça implique? Quelque chose de tordu que tu pourras plus rattraper. Excusez-moi, que tu ne pourras plus rattraper, redresser, ou quelque chose qui est manquant que tu ne pourras plus compléter. Mais en on verra tout ça dans la prochaine Mishnah. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selam.